Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait? C'est l'éradication de la paysannerie franco-germanique qui se fait massacrer au front. Tu vois, des millions de paysans sont morts. Dominique Guillet, fondateur de Cocopelli, association qui produit et distribue des semences potagères bio de variétés anciennes. Et donc, cette entreprise de dépaysannerie, on va dire, a été parachevée par la Seconde Guerre mondiale. Et puis vient se greffer par-dessus tout cela la synthèse de l'ammoniac qui permet de faire des bombes et qui après permet de faire des fertilisants de synthèse. Et ensuite, l'invention des gaz moutardes durant la Première Guerre mondiale, qui va donner quoi? Eh bien, qui va donner tous les insecticides, qui sont des gaz de combat. Et avec le plan Marshall en 1947, les États-Unis arrivent avec les tracteurs, qui sont la suite logique des tanks. Donc en fait, l'agriculture occidentale, c'est une agriculture de guerre. The pesticides came out of the war, the fertilizers came out of the war, the thinking of agriculture as if you are at war with the planet came out of the war. Vandana Shiva, physicienne, docteur en philosophie des sciences, prix Nobel alternatif 1993, fondatrice de Navdanya, association de défense des petits paysans indiens. That needs to be put aside as an aberration of the last century. We need to begin this century with a continuity with ancient wisdom of how to live with the land. Toda esta agricultura convencional, convenio, é uma combinação entre duas partes. Não? Anna Primavesi, doutor em agronomia. E o convenio era entre a agricultura e a indústria, que depois da guerra estava com enormes estoques de venenos, que eles pretendiam de matar os inimigos, mas depois acabou a guerra e não tinha mais inimigo para matar, não? E aí o professor Borlaug teve a ideia fantástica, mas olha, a agricultura não compra praticamente nada da indústria. De vez em quando um tratorzinho, mas nada, não? Então vamos fazer isso, não vamos fazer um convênio. A agricultura compra máquinas pesadas, adubo químico, agrotóxico e tudo da indústria. E a indústria vai ter lucro, a agricultura vai no negativo, mas o governo vai devolver uma parte dos impostos para a agricultura. E isto eles fazem. E estas são as famosas subvenções. Aí funcionou naturalmente no primeiro mundo, que era dono das indústrias. Aqui não funcionou, de claro não, porque nós não tinha indústria. Então nós tinha de importar as máquinas, importar os químicos e pagar para os créditos para poder importar 20 a 25% de juros. Era praticamente dreno aberto de toda a riqueza dos países do terceiro mundo para o primeiro mundo. Não era um avanço para nós, para eles sim. Porque a América, por exemplo, nos últimos anos, estava negativo na toda a sua economia, mas vivia muito bem por causa de todo o terceiro mundo que tinha pagando para eles, não? À la sortie de la guerre, donc 46-47, personne n'était capable de savoir combien de fumier on mettait dans les sols, parce que, étant un élément qui passait directement de l'étable à la terre et ne donnait pas lieu à des échanges commerciaux, il ne figurait pas dans les comptes de la nation. Philippe Desbrosses, agriculteur, docteur en sciences de l'environnement, président de la commission nationale du label AB, Agriculture Bio, au ministère de l'Agriculture jusqu'en 2007. Mais il a quand même trouvé l'information dans les comptes de la Shell Petroleum, qui cherchait, après la guerre, à recycler les usines à nitrate, les explosifs de nitrate, en nitrate agricole. Et donc il s'intéressait à savoir quel était le potentiel et quelle était la dimension du marché. Et c'est comme ça qu'on a su que la France restituait chaque année 120 millions de tonnes de fumier dans ses sols. Aujourd'hui, c'est même pas 30 millions. Personne ne s'interroge sur les conséquences de cette disparition d'un élément qui nourrit le sol, qui nourrit toute la bactériologie des sols,
et qui permet aux plantes de pousser sans les engrais, les pesticides, etc. Je suis devenu ouvrier agricole pour apprendre le métier. C'est à ce moment-là que j'ai vu que les pratiques agricoles partaient sur un principe de produire et détruire. Pierre Rabhi, fondateur de Colibri, mouvement pour la terre et l'humanisme. Donc en Cévennes, il y avait un produit qu'on appelait le Metasystemox, qui était responsable de pas mal de décès, pas mal de problèmes de santé, puisqu'il y avait des gens qui avaient décédé à cause des pesticides, d'autres qui avaient eu des séquelles de paralysie, d'autres étaient devenus aveugles, etc. Donc les nuisances étaient évidentes. Quand on avait fini le traitement, eh bien, on voyait des insectes pêle-mêle morts, les utiles comme les moins utiles, et donc on procédait à une espèce de massacre généralisé. Et c'est à partir de là donc, que je suis rentré un peu en insurrection. Si l'agriculture c'était cela, ben, je ne ferais pas d'agriculture. A nossa geração está vivendo um dilema muito grande, porque o capitalismo, agora na sua fase dominado pelo capital financeiro e pelas grandes empresas transnacionais, impuseram uma forma de produzir na agricultura que, na verdade, não é produzir alimentos. Eles querem apenas produzir mercadorias para ganhar dinheiro. João Pedros Tedile, coordenador nacional do MST, o Movimento des Sans Terres, no Brasil. Eles se transformaram em espoliadores da natureza. Eles se transformaram em pilleurs de la nature. Ils tirent de la nature tout ce dont ils peuvent profiter. Ils exploitent l'eau et le sol et ils appliquent à l'agriculture les techniques des industries productivistes dont le but principal est de vendre aux agriculteurs des quantités industrielles de fertilisants et de pesticides, des machines toujours plus grosses qui éliminent la main-d'œuvre, tout en pillant les ressources d'eau potable pour une irrigation massive. Cette révolution verte, qui est en fait le modèle capitaliste industriel appliqué à l'agriculture, n'a pas d'avenir. Et en plus, il met en danger la vie de la planète en détruisant la microbiologie des sols et en empoisonnant les aliments. Et le pire, c'est que ces poisons sont indestructibles. Ils vont ou dans le sol, ou dans l'eau, ou dans votre estomac. De même que la monoculture imposée par les multinationales et les grands propriétaires terriens détruit la biodiversité. Green Revolution has received a Nobel Prize for Peace with the argument that the new technologies of chemistry would bring new prosperity and prosperity would bring new peace. It's called the Green Revolution as an alternative to the Red Revolution which was spreading from China. And the Americans really thought spread chemicals and you'll have an alternative to communism, literally. That was their image, chemicals versus communism. Et la révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar, avant toute chose. Et ils ont fait beaucoup de dollars avec la révolution verte. Mais les gens qui vivent dans le tiers-monde, pour eux c'était terrifiant, parce que la révolution verte, on a détruit les sols, on a détruit les eaux, on a détruit l'air. On a détruit la biodiversité. En Inde, par exemple, il existait 200 000 variétés de riz avant la Révolution verte. Et après 40 ans de Révolution verte, il en reste 50, 5 fois 10, c'est tout. On a détruit le tissu social indien parce que l'agriculture indienne était une agriculture féminine. On en a fait une agriculture masculine avec des récoltes qui ont une valeur sur le plan régional, national ou international. Alors qu'avant, l'agriculture féminine indienne était avant tout là pour pourvoir, en fait, en nutrition, la famille. L'économie au sens moderne, c'est-à-dire l'économie capitaliste, marchande, etc., c'est un truc de mec. Serge Latouche, économiste, professeur à l'Université de Paris-Sud. J'en suis convaincu. J'ai pu le voir tant que dans toutes mes études économiques, etc., c'est pas tout à fait un hasard. Il n'y avait pas de femmes dans l'économie. Pas de femmes dans l'économie, pas de femmes dans les entreprises, pas de femmes. C'est caricatural en Afrique, par exemple, où toute la vie concrète, justement, ce qui fait vivre l'Afrique, même encore à l'heure actuelle, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui cultivent la terre, parce que c'est elles qui sont fécondes, etc. C'est elles qui font tout, hein, pour l'essentiel. Mais dès qu'on crée une plantation moderne, alors ce sont les hommes. 40 years back, we took in what is called as a green revolution technology. Devinder Sharma,
ingénieur agronome, journaliste, écrivain. And today we are facing one of the biggest suicide rate in the world as far as agriculture is concerned. Every hour, two farmers are committing suicide in India somewhere. Et on se sert souvent d'ailleurs des famines qui se sont déroulées dans le passé pour montrer, voyez, la révolution verte, c'est-à-dire la révolution industrielle, a permis de sortir des populations de la misère et de la famine. The UN, the World Bank, the WTO are all basically flawed. Because they are saying there are only 852 million people who go to bed hungry every night. I'm saying 836 million exist in India alone. Toutes les famines ne sont pas des fatalités. Loin de là. Elles ont toutes été provoquées par les pays colonisateurs. In 1833, which has been about 150 years back, the British had sent a gentleman called Lord Macaulay to India. Lord Macaulay came to India, he travelled and then he went back to the to England and then he addressed the British Parliament where he said something like this. He said he had travelled extensively in India. He did not find a single beggar. In the last decade, as a result of this form of agriculture, we have lost 200,000 farmers who have committed suicide. I call this the suicide economy. It's suicidal for the species. We are destroying the very planet we live on. En Inde, il y a tellement de paysans qui déposent le bilan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident, soit individuellement, soit collectivement, ou bien ils vont s'entasser dans les bidonvilles, ou bien ils deviennent journaliers sur leur propre terre qu'ils ont vendue soit à Cargill, soit aux banques, pour rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour payer l'agrochimie et les semences d'OGM ou les semences hybrides F1 qui valent très très cher sur le marché, alors qu'avant, les paysans avaient accès à leurs propres semences qui refaisaient d'année en année. Donc cette révolution verte, c'est un énorme canular, en fait, un désastre total. Quand des paysans se suicident, ils se suicident avec les pesticides. L'agriculteur ne se tue pas au fusil, il se tue avec le produit qui a tué sa terre. C'est, symboliquement, c'est très très lourd. Hein. Et ça m'a toujours impressionné comment on peut ouvrir une bouteille de pesticides et puis la boire. Il faut vraiment être au fin fond du rouleau. So in every dimension, this is a suicidal agriculture. No other species has been as stupid as the human species. To wipe out its own food base intentionally while thinking it was being super smart. And the United Nations has defined genocide as the deliberate intent to physically harm or exterminate a group of people. What's being done to the farmers of the world is a deliberate design to harm them and to wipe them out. It's the biggest genocide of the world. And of course it's genocide of women because food was the last reserve where women had the power. They were the seed keepers, they were the food processors, they were the food distributors. And as long as women have the power, society is free, society is looked after. Et quelque part, ce monde agricole, ces agriculteurs se rendent compte qu'ils sont en même temps leur bourre le crâne qu'il n'y a que l'agriculture intensive, que s'ils ne mettent pas les engrais, que s'ils ne font pas 100 cartons en blé, mais un pauvre type. Et en même temps, ils se rendent compte que tous les voisins disparaissent, que les campagnes se désertifient, donc il y a en même temps quelque chose de tragique. Lydia et Claude Bourguignon ont fondé ensemble le LAMS, Laboratoire d'analyse de la microbiologie des sols. Qui est que les campagnes se vident, c'est qu'on est en train de créer des véritables déserts. Nous, on est dans une commune de 1500 hectares, à Marais-sur-Tille, il n'y a plus que deux agriculteurs sur 1500 hectares. On leur a tellement expliqué que leur valeur, c'était parce que leurs vaches pissent 10 000 litres par an de lait, ils font 100 quintaux, toujours cette espèce de... Celui qui fait pipi le plus loin, quoi. Vous voyez le côté de l'école communale, quoi. Ah, je suis plus costaud, je pisse plus loin que toi. Et leur faire comprendre que c'est pas ça le métier d'agriculteur, c'est de doit nourrir, et donc il doit nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font. Hein. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. C'est avec ça qu'on va nourrir la population. Mais c'est sûr que quand on essaye de voir un peu ce que peut être l'avenir, je vois pas un avenir uniquement urbain. Il n'y a pas... Je ne vois pas des millions de gens confinés dans les villes qu'il faut nourrir et qui ne participent pas à la production de leur propre nourriture avec un espace rural désertifié. Enfin, c'est de la folie, quoi. Nous, ici, il y avait 4 à 5 fermes en activité et maintenant, il n'y a plus personne. Nous sommes tout seuls. C'est impensable. Donc la MAP, c'est vraiment un partenariat entre un groupe de consommateurs qui se préoccupe de son alimentation, qui va voir un producteur de cette alimentation-là, en général des légumes, parce que c'est vraiment la base de l'alimentation,
qui lui dit, voilà, on t'achète ta récolte à l'avance, toi tu te débrouilles pour avoir une diversité, une assurance de qualité, pas de produits chimiques. Laurent Marbeau, agriculteur, fondateur de l'AMAP de Vanves. AMAP, association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le fonctionnement, c'est vraiment de présenter un bilan chiffré, de dire moi, en tant qu'agriculteur, j'ai besoin de, par exemple, 70 000 euros à l'année pour faire fonctionner mon entreprise. Les personnes en face se mettent à un certain nombre pour pouvoir payer ces 70 000 euros-là. Ça, t'as pas essayé, c'est non, au lin, graines de lin, graines de pavot, comme ça. Donc on est vraiment au prix de production, pas au prix de marché. Là, moi, ça fait 3 ans que je le pratique et voilà, ça répond vraiment un peu à tous les soucis qu'on avait par rapport à la commercialisation. On faisait des bons produits, tout le monde en voulait, mais il fallait quand même les vendre. Il y avait un petit côté marketing. Je fais une livraison par semaine et j'ai voilà, l'intégralité de ma production qui a été vendue, consommée. Surtout pour me monter, sinon je vois pas les chiffres. Avec toi, parce que les fruits, il y en a 2 variétés, je sais pas combien il y a de... Donc c'est 2,5 kg de ça, 2,5 kg voilà, de ça. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4. Alors, vas-y. Voilà, c'est bon. Merci. J'amène des légumes qu'on a produits ensemble, eux par leur potentiel monétaire, et puis par la semaine dernière, il y avait 10 personnes dans le jardin pour m'aider à ramasser les salsifis. Cette semaine, ils sont dans le panier. C'est un peu le principe, c'est pareil, moi je vais pas passer, là normalement je serais sur un marché, j'aurais passé 3 heures de plus de boulot à laver mes légumes, à bien les présenter, à bien les tourner dans les caisses, à enlever la moindre feuille jaune pour donner envie aux gens d'acheter mes légumes. Là, il y a plus ce côté-là, quoi. Les légumes, on les a, ils sont à nous. Qu'il y ait une feuille jaune ou quoi, bah, c'est à chaque personne qui enlèvera sa petite feuille jaune ou qui nettoiera un peu la terre qui est sur ses pommes de terre. Là, sur Vanves, on a créé le groupe il y a 3 ans. On était 5. Moi, j'ai demandé à 50 personnes de se mettre avec moi la première année pour tester un peu le système et tout ça. La deuxième année, on est passé à 60 personnes. Et là, maintenant, on est en reproduction de contrat, en renouvellement de contrat. On a déjà 75 adhérents. On en a 90 sur liste d'attente et on a arrêté de remplir les listes d'attente parce qu'on a dit aux gens que c'était plus la peine sur notre AMAP. Ils n'avaient pas trop espoir d'avoir une place, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, on voit bien au niveau consommateur qu'il y a vraiment quelque chose. Tous les citoyens, les gens, ils commencent quand même à prendre en cause ça. Dans toute la France entière, il n'y a plus assez de producteurs par rapport à la demande. On est 12 millions d'habitants en Ile-de-France. On fonctionne avec un flux tendu de camions qui viennent du sud de l'Espagne, du Maroc, des avions qui arrivent à Roissy. Et voilà, on a 3-4 jours d'autonomie alimentaire sur l'Ile-de-France. On n'a pas de réserve. Tout ça avec des produits pollués qui polluent encore plus pour venir jusqu'ici. Et quand on parle aux politiques, toujours off, ils sont conscients de ça. Ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il ne faut pas trop le soulever parce qu'il y a panique, totale tout de suite. Moi, j'ai pas mal de collègues qui sont partis s'isoler dans des endroits bien perdus, dans le sud et tout. On se demande ce qui arrivera demain, quoi. S'il y a une famine demain, ben on va avoir une masse de criquets qui va arriver chez nous, des Parisiens qui seront là, qui chercheront à manger, qui vont tout nous arracher. Et... voilà, quoi. Donc ça fait un peu peur. Là, on est 12 millions d'habitants, il reste 150 maraîchers. Il y a 5 ans, il en restait encore 350-400. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une exploitation disparaît, il y a bien entendu le paysan, éventuellement son épouse ou un employé, et puis il y a un petit peu de l'école du village, un petit peu du mécanicien, un petit peu de l'épicerie. Et donc, cumulé, tout ça faisait 5 emplois, directs et indirects, par disparition d'exploitation. Et cette hémorragie-là a duré jusqu'à maintenant, elle dure toujours, puisqu'il y a toujours, on perd encore 30 000 à 35 000 exploitations par an. Moi, j'ai souvent hurlé dans le désert à ce sujet en disant que, comment se fait-il qu'on laisse cette hémorragie silencieuse, 4 millions de paysans disparus de la terre en France, et qui en plus seront ceux dont on aura le plus besoin le jour où les artifices ne pourront plus être utilisés, et on y est. Les artifices, c'est le pétrole et tout ce qui découle du pétrole. Les engrais, ce qu'on fait, qui fait marcher les grosses machines, les pesticides qui sont des dérivés du pétrole, les plastiques, les serres, les chauffages, tout ça, c'est le pétrole. Voilà. On a totalement fondé une agriculture artificielle sur une ressource fossile dont on sait qu'elle est épuisable et maintenant quasiment épuisée. Every minute, one farmer in Europe is quitting agriculture. Now imagine the same kind of model pushing farmers out of agriculture in India. 600 million people, where do you push them? On the one hand, the growth model. Les économistes nous disent qu'il faut transformer New Delhi en New York ou Bombay en Shanghai. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas voir les pauvres, qu'il faut les expulser. Donc, d'un côté, on chasse les gens de leurs fermes, et de l'autre côté, on les chasse des centres urbains. Dites-moi, s'il vous plaît, où vont aller ces 600 millions de pauvres ?
Nulle part au monde, aucun pays riche, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, ne pourra donner des emplois à ces 600 millions de personnes. Donc, nous devons trouver un système qui permette à ces 600 millions de personnes de s'intégrer à la société. C'est ce que j'appelle le modèle indien de croissance. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. N'ayons pas honte. C'est politiquement incorrect car nous tournons le dos au modèle occidental de développement. Mais soyons forts et certains que c'est le modèle qu'il nous faut. Sinon, le monde sera sans dessus-dessous le jour où ces 600 millions de femmes et d'hommes se lèveront et réclameront leurs droits. Au bout du compte, si on les prive de vie, ça peut se terminer à la mitraillette, cette affaire. Parce que c'est une grande violence d'empêcher les gens de vivre. Faut pas s'étonner après qu'il y ait ces révoltes et cette violence qui découle de systèmes aussi pernicieux et inhumains. On fait tout un plat pour quelques bateaux de migration, mais enfin, potentiellement, avec la logique actuelle, bon, c'est 800 millions d'Africains qui veulent venir en Europe. On a détruit toutes les raisons que peut avoir un Africain pour vivre en Afrique. Donc, il n'aspire qu'à une chose. Et tous les gens, les jeunes surtout, dans les villages et tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider pour venir en France, etc. Il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de jeunesse qui ne fait rien. Seulement sortir de la maison le matin, il revient le soir, il ne fait rien. Il n'y a rien, rien du tout. C'est ça le Maroc. La situation de la situation générale. Les paysans du tiers-monde épargnés par les guerres et les suicides, ayant été chassés de leurs terres par l'agriculture industrielle, sont, pour la plupart, agglutinés dans les bidonvilles des mégapoles et, dans nos pays dits développés, peuplent les ghettos des banlieues. Beaucoup de régions, les sols sont morts. On a déshabillé littéralement les sols, les terrains, puisqu'on ne nourrit plus le sol, on nourrit les plantes. Qu'on ne restitue plus au sol sa nourriture naturelle, qui était le fumier ou l'or noir des étables. Et comme on a divisé, cloisonné et délocalisé les productions, on a la paille et les céréales en Beauce et l'élevage en Bretagne. Autrefois, on avait équilibre agro-silvo-pastoral, le champ, la forêt et les animaux. C'était ça qui a fait cette civilisation agricole pérenne qu'on est en train de détruire depuis 50 ans. Parce qu'on met les animaux d'un côté, qu'on entasse dans des usines, et puis les cultures de l'autre, et puis la forêt, ben on la parque ou on la cultive comme les céréales, on plante les arbres en ligne, c'est le cauchemar, quoi. Tu enlèves la chimie, les fertilisants de synthèse de certaines régions françaises, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien. Parce que la terre, elle est morte. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas dans un désert comme le Sahel, mais on vit dans un désert virtuel. Parce que la terre, elle a déjà tout donné, puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien.
elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Donc en fait, on vit dans un désert, mais c'est un désert virtuel. Mais un jour, ce sera peut-être un désert total, surtout si le pétrole continue de monter, puisque toute l'agriculture chimique, elle est basée sur le pétrole. Près de Bangalore, nous avons rencontré Narayan Reddy, un petit paysan. Autrefois, il était un champion de l'agriculture chimique intensive, gagnant tous les concours agricoles et sacré meilleur producteur de l'état du Karnataka. Mais comme il le dit, « I was a loser », j'étais un perdant. Tout l'argent qu'il gagnait par sa production partait en fumée, en achat de semences, de pesticides, d'engrais et de tracteurs. Il décide un jour de tourner le dos à l'agriculture chimique et de revenir à des méthodes traditionnelles. Après une ou deux années difficiles, il retrouve un très bon niveau de production, devient autonome, n'a plus de dettes. Il a 480 arbres sur son terrain et compte bien en planter encore quelques dizaines chaque année. Je ne suis pas un homme très riche. Dans cette ferme, nous n'avons qu'un hectare 8. Nous produisons de la nourriture pour 15 personnes pendant toute l'année. En plus de cela, nous vendons 15 tonnes de fruits, 10 000 noix de coco, environ 2 tonnes de légumes et 4 tonnes de céréales par an. Le tout sur 1 hectare 8. Nous faisons nos propres semences, nous faisons notre propre engrais. On ne dépend de personne. On ne gaspille rien. Ça, c'est un réservoir de récupération des eaux de pluie. On va s'en servir pour collecter les eaux des toits aussi. On élève aussi des poissons. On en a à peu près 400 ici. Ça fait double emploi. On a planté tellement d'arbres. Plus il y a de racines, plus il y a d'infiltration d'eau. Et plus il y a de feuilles qui tombent, plus le sol est fertile. Tout le village pense que je suis fou de ne pas vendre cet arbre pour 10 000 roupies. Mais pour moi, cet arbre est un dieu. Parce que 5 fois par an, il fait des fruits qui deviennent un engrais très riche. Sans rien dépenser, on a 10 tonnes d'engrais par an et l'arbre est toujours là. Mais eux, ils font seulement de l'agriculture. Alors que nous, on a la forêt plus l'agriculture. On appelle ça l'agroforesterie. Un bon sol, riche en humus, qui sent si bon. Et c'est comme ça qu'un sol devrait être. Il y a tellement de fruits. Regardez ce poivre, tellement de poivre. C'est la meilleure race du monde pour le lait. Un lait très bon pour la santé. Et dans 10 jours, elle va nous donner un veau. Les animaux, ils transforment facilement notre biomasse en engrais. Dès que les fermiers deviennent autonomes en semences et en engrais, l'agriculture devient vraiment facile. La semence, c'est le nerf de la guerre. Ils contrôlent toute la population avec cette combine de fournir les semences. C'est une guerre froide. Je pense que c'est une guerre froide contre la population, ce business des semences. J'ai bon espoir que d'ici 5 ou 6 ans, au moins 50% de nos petits fermiers et éleveurs vont se reconvertir à ce système. Os insumos necessários para a fertilização da terra, para combate das pragas, todos eles não devem ser buscados na química, mas devem ser buscados nos próprios recursos que a natureza nos oferece. Nós descobrimos que a humanidade só chegou aonde estamos porque ao longo desses milhões de anos, os camponeses sempre desenvolveram conhecimento dessas técnicas de produzir respeitando a natureza. Então agora nós precisamos recuperar esse saber popular para recuperar uma agricultura milenar que respeite o meio ambiente. Evidentemente que os governos não gostam disso, porque os governos são verdadeiros capatazes, são meros gerentes da vontade das empresas. L'agronomie moderne s'est efforcée de manière quasiment obsessionnelle à expulser au maximum toutes les fonctions naturelles et gratuites de l'écosystème pour y substituer les artifices polluants et coûteux de la pétrochimie, de l'industrie lourde, et enfin bref,
de tout ce qu'on appelle le progrès technique. Então nós agora estamos numa etapa de resistência, de preservar esses conhecimentos. Agora nós somos debochados como se fosse Don Quixote lutando contra os moinhos de vento. Mas no futuro, nós podemos provar de que a melhor maneira de produzir alimentos saudáveis, que vai garantir uma saúde para a população, que vai garantir o meio ambiente, são as técnicas da agricultura familiar, se contrapondo à agricultura industrial. MST, Mouvement des Sans Terres. Organização popular brasileira que milita por dar ao paysan des terres à cultiver. Então, eu sou Patrícia, né, e eu sou agrônomo. Então, faz 10 anos que eu acompanho os assentamentos de reforma agrária aqui nessa região sul, né, que é uma região que se caracteriza por historicamente ser dominada pelo latifúndio. A chegada dos assentamentos, a conquista da terra, né, a entrada nessa região, foi através de um processo de luta muito intensa dos agricultores, né, que sem terra, né, por poder então ter o acesso à terra. Então, há 19 anos a gente tá morando aqui na região sul do estado. Eu me chamo Amarildo, sou filho de pequenos agricultores, né? Oriundos ou descendentes de italianos que migraram da Itália para o Brasil por uma questão da terra, e eu conheço o Movimento Sem Terra em 1987. Nesta ocupação de terra, onde teve esse conflito violento, tinha mulheres, tinha crianças, inclusive mulheres foram agredidas, né? Eu participei dessa ocupação, fui preso, fui torturado, né? Passei por toda essa trajetória que não foi fácil, né? De depois a gente, vamos dizer assim, esquecer essa situação. Nesse momento que a gente integra o Movimento Sem Terra, até amigos íntimos ou amigos de infância começam a te tratar como se você fosse um vagabundo, que você é, dizer, uma forma tão hostil assim que a sociedade em si acaba te julgando, às vezes, por uma atitude. A gente não tem esse perfil, a gente sempre foi trabalhador, sempre foi honesto, sempre foi uma pessoa que quis ter algo na vida que não tinha ou nunca teve a oportunidade de ter. Então, o caminho encontrado naquele momento foi entrar no Movimento Sem Terra e lutar pela terra. E, às vezes, as pessoas te julgam de uma coisa que você não é. Isso dói, né? Você passar por períodos, né, de você ser preso, você ser torturado, isso, né, mexe com os teus sentimentos e tua coisa. Mas fazer o quê? A gente superou essa dificuldade, vai superando, né? No acampamento nós tínhamos 1.200 famílias, né? Se enfrentou muita dificuldade, uma região subdesenvolvida, tinha estradas, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos escolas, né? E não tínhamos alimento, né? Passamos muitos meses que praticamente dependíamos única e exclusivamente do que se encontrasse na natureza para poder comer e para poder sobreviver. Então foi realmente um teste de sobrevivência, vamos dizer assim, os primeiros 2 anos aqui nessa região. Muitos soldados fazem sobrevivência na selva, a gente fez aqui ao vivo e a cor sem precisar. Eu trabalhei muito antes de vir para o assentamento com produção de tomate e outras coisas, mas no sistema convencional, com uso intensivo de veneno. Aí, quando eu soube que aqui já tinha uma proposta diferenciada, me animou até mais na minha vinda para cá, né? E desde da minha chegada aqui eu
Não usei mais nenhum tipo de produto químico, nem veneno, nada. Na nossa, a diferença é bastante, né? Inclusive, eu ainda, apesar de novo, já estava tendo alguns problemas de saúde por usar muito veneno, né? E agora é bem diferente. É. Agora eu me sinto com segurança de, se a gente está na horta, tirar uma folha de alface ou qualquer outra coisa e comer, porque não tem problema nenhum, né? Araucária, ou então o pinheiro do Paraná. Ela produz uma fruta que é comestível, tanto pelas pessoas como pelos animais, né? E é uma árvore centenária, né? O crescimento dela é bastante devagar. O Paraná era quase todo ele coberto com essa árvore. E agora já tem bem poucas. E aqui no assentamento a gente tem uma boa quantidade delas e vamos preservar. Eu produzo agricultura orgânica desde que nós chegamos aqui. A gente já tinha um conhecimento dela dos nossos pais. Depois veio no tempo daquela Revolução Verde, veio esse outro pacotão das multinacionais aí, que veio acabar com a nossa, principalmente com a pequena agricultura. E foi o rumo que nossa saída agora foi voltar e ter o conhecimento da agroecologia. Ici, c'est un paillage d'haricots, mais on peut utiliser n'importe quelle autre sorte de paillage, du moment qu'il ne contient pas de graines. Ça retient l'humidité et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Le paillage, ça fait tout pour le potager. Et la plupart des sols, maintenant, ils puent, ils sentent plus rien, ils sont morts. Après des moments avec Lydia où on passe une semaine à ne mesurer que des sols morts au laboratoire pendant une semaine, on a le moral dans les talons à la fin de la semaine. Mais bon, on a développé des méthodes qui permettent de remettre les sols debout et de recréer, de réinstaller des hommes dans des endroits abandonnés. Mais la situation est très dure parce que face à l'énorme destruction qui est faite en ce moment sur la planète, c'est très très inquiétant. C'est sûr qu'on ne fait pas le poids, quoi. Donc j'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié, quoi. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans les nourritures des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui sont insupportables. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments, et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis des plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. Et on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. C'est des hommes fous. Et donc en sortant, tout de suite, avant la fin des études, je me suis dit, non, mais là ils ne savaient plus. Et donc il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols. Je dis, il faut repartir là-bas parce qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. Donc j'ai eu une année de cours particulier, ce qui est quand même intéressant, j'ai profité uniquement pour moi. Et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée, elle a été supprimée en 86, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France, qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol, ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes, rien. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde.
toutes les chaires de microbiologie des sols agricoles ont été supprimées, de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc, ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser des pesticides, des engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un ver de terre, il est mort. Vous le mettez même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puisqu'ils ne s'intéressent pas à l'aspect vivant. Donc, avec l'idée, on s'est dit, on s'en va, quoi. On n'est pas en accord avec eux. Le mieux, c'est qu'on parte et on va essayer de montrer que la biologie des sols peut avoir un rôle en agriculture. Nous, quand on a mis au point notre méthode d'activité biologique des sols, si on avait été voir Rounzoulin, en disant, voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pouvez financer notre recherche? Le mec, il nous aurait dit, ouais, c'est ça, on se téléphone, on se fait une grosse bouffe. Aucune chance, vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits chimiques tuent les sols. Aucun scientifique ne peut avoir des fonds là-dessus. Donc, aucun scientifique ne travaillera là-dessus. Parce qu'il n'aura pas de fonds. Personne ne le paiera. Et comme l'État ne veut plus payer les chercheurs, il faut qu'ils se débrouillent pour aller chercher des fonds, sinon il n'y a pas de recherche, et bien c'est fini, la recherche est vendue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui gêne l'industrie ne sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est comme ça que cette situation va s'effondrer. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui va contre les grands intérêts, le système se casse la gueule, il s'effondre, il est en train de s'effondrer. C'est-à-dire les recherches fondamentales qui devraient être faites en ce moment sur la vie des sols ne peuvent plus être faites. Alors le problème de la vie du sol, c'est qu'on la voit pas, à part les vers de terre, à part quelques gros animaux comme les taupes. La plupart des animaux sont très très petite taille, donc on est obligé de s'équiper d'optique. Si t'as pas d'optique, tu peux pas les voir. Alors c'est vrai que quand on regarde du compost comme ça, on pense pas que c'est plein d'animaux, parce qu'à l'œil, apparemment, y a rien, quoi. Mais toutes ces petites bêtes là, elles ont aussi un avantage, c'est que à leur échelle, bien sûr, c'est microscopique, mais elles circulent et elles vont circuler dans des galeries. Mais ces galeries, elles ont un avantage, c'est qu'elles aèrent le sol, puisque ces petits trous vont permettre à l'oxygène de rentrer dans le sol, de l'aérer, et ça servira aux microbes et aux racines, parce qu'une racine, elle ne peut pousser que si elle a de l'oxygène. Donc en fait, tout le monde est indispensable. Chacun a son travail à faire. Et chacun est à sa place et fait son travail. Les femelles pondent des femelles qui pondent des femelles. Donc il n'y a pas de sexualité, donc c'est des animaux. Dès qu'on remet du compost, dès qu'on remet de la vie dans les sols et qu'on arrête de les empoisonner avec des pesticides, ils savent se multiplier rapidement. Donc c'est l'espoir, c'est que la Terre, finalement, elle est généreuse parce qu'elle accepte de revivre malgré tout ce qu'on lui fait subir. Quoi. Voilà. Tous les produits chimiques qu'on met dans la Terre, les insecticides, ça tue tout ça. Ça tue tout ça. Tout ça, c'est massacré par les produits chimiques qu'ils mettent dans les sols. Tous. Ah, mais il y en a même qui pensent que ça amène des maladies, ça. Oui, ils pensent que c'est des parasites, quoi, que c'est pas bien. C'est forcément dangereux. C'est suspect. Ah, mais la Terre est féminine, ça, c'est sûr qu'elle est féminine, la Terre. Et c'est très, très compliqué d'accepter qu'elle puisse être aussi vivante et aussi fertile. Tiens, l'acarien, là. Il est beau, l'acarien, là. Regarde, hop, petit acarien blanc. À 50 grammes hectare, il tue tout. Hein. Vous savez, pour tuer, pas besoin d'être très intelligent, prenez un abruti qui n'a pas grand-chose sous le casque, vous lui donnez une grande mitraillette et il tue tout le monde dans l'amphi, là. Mais je lui dis, par contre, élever un enfant, le faire grandir, l'éduquer, etc. Ça, c'est compliqué. Je lui dis, faire vivre, c'est compliqué. Tuer, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. Et puis, c'est gratuit, ça. Il n'y a pas besoin de ramener de fertilisants, il n'y a pas d'industrie et tout. Ça, ils travaillent gratuitement pour vous. Vous n'avez besoin de rien, hein. La forêt, la nature, elle vit toute seule, hein. Et ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Nous, si tout le monde nous écoutait, je pense que tu as des multinationales qui auraient du mal. Hein. Donc on est pas mal combattu à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est le mille pattes. Hop, l'insecte l'a touché, il a réagi vite. Hein. Ils sont très sensibles. Tu vois, la porosité du sol, c'est ça. Ça, c'est les crottes, c'est leurs crottes. C'est pour ça que quand tu marches en forêt, tu as l'impression de marcher sur un matelas, tu vois, sur la moquette, parce qu'il y a toutes ces crottes de ces animaux qui sont empilées les unes sur les autres et qui aèrent énormément le sol. C'est pour ça qu'une forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde, il n'y aura jamais d'érosion en forêt, parce que la pluie, quand elle tombe sur cette structure de crotte, l'eau rentre immédiatement dans le sol et va pouvoir nourrir les nappes phréatiques. Alors que quand tu as labouré, tué la terre, lissé, l'eau peut plus rentrer, ça fait des érosions, inondations, les rivières qui débordent, etc. Et on accuse la pluie. Alors que c'est parce qu'on a tué les sols, ce qui n'est pas la même chose. C'est un monde très riche en espèces et qui est encore mal connu. Tu vois, ici, tu as un cloporte, donc ça, c'est un crustacé. Alors lui, il a des mandibules très costauds, il mange des bouts de bois, il mange des pailles, il est capable vraiment d'attaquer des déchets très solides. Eux, les colamboles, c'est les dentelières un peu du sol, hein, ils décomposent les parties tendres des feuilles. C'est beau, c'est un balai qui est à la fois lent et rapide selon les espèces.
fait, le compost, c'est pour la terre. C'est pas pour la plante, le compost. Et ça, c'est très difficile à faire accepter, parce que l'agriculteur, le vigneron, lui, s'il met du fertilisant, c'est pour avoir un rendement. Et des fois, les gens nous envoient des composts en bouchon. Donc, tu vois, on a comme des croquettes pour les animaux, et puis ils nous disent, bon, ben, vous nous faites l'analyse de compost. Alors, effectivement, du point de vue chimique, alors là, ils sont au top, même matière organique et tout. Et alors, il n'y a pas un bestiau. Parce que ça a été stérilisé et tout. Et là, on leur dit, mais en fait, vous mettez un fertilisant, vous mettez un engrais, mais vous ne mettez pas du compost. Mais pourquoi? Mais parce que dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité biologique. Les sols de l'Afrique subissent un rayonnement solaire extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'ils sont stérilisés parfois par la chaleur sur 20-30 cm. Rien que le rayonnement solaire. Aucune bactérie n'arrive à survivre. Il y a une perte de cheptel bactérien. Et la seule façon de restituer ce cheptel bactérien et de remettre en route le métabolisme des sols, c'est de lui amener des levures. Et le compost, bien fait, c'est du levain bactérien que vous mettez dans le sol et qui remet en route le processus. Et on est arrivé, nous aussi, à multiplier les rendements par 3, 4, 5, sans bourse déliée, et en obtenant des produits de très haute qualité. Et si aujourd'hui il y a 100 000 paysans qui pratiquent l'agriculture écologique, c'est bien parce que la réponse qui leur a été donnée est une réponse qui est bonne. Pierre Rabhi a beaucoup travaillé et avec succès à initier les paysans des régions désertiques du Burkina Faso à l'agroécologie pour qu'ils puissent rester et survivre sur leurs terres. Ici, près de Taroudan, dans le sud du Maroc, l'association de Pierre Rabhi Terre et Humanisme organise des stages pour montrer aux paysans comment faire du compost uniquement avec des produits locaux et comment fertiliser leurs terres arides. Au 19e, on invente le tracteur, c'est-à-dire qu'on va travailler la terre de plus en plus profondément, et là on va la détruire. Tant qu'on la gratouille, ça va. Mais alors, quand on se met à la labourer profond, là, l'érosion devient catastrophique. Le problème, c'est que vous vous heurtez à ce mythe fondateur qui est le labour, et attaquer un mythe chez l'être humain, c'est très compliqué. Il y a des concours de labour, ils ont tous sur leur cheminée la statue en bronze avec le gars qui laboure. Moi, je sais, quand j'étais à l'agro, il y avait un illustre inconnu en bronze, une statue, puis dessous, il y avait écrit « Jamais le labour n'est trop profond ». Vous êtes dans des mythes. Et là, avec l'idée, on se bat. Pour changer la mentalité des agriculteurs, accepter de ne plus violer la terre. Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défonce la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. C'est très long de changer une mentalité. Et nous détruisons la planète depuis 500 000 ans. Et faire comprendre aux hommes qu'il est temps maintenant de la respecter, vous savez, c'est encore plus compliqué que de leur faire comprendre qu'il faut respecter les femmes. Quand on voit comment on traite les femmes sur la planète, on comprend qu'il y aura du chemin avant qu'ils respectent la Terre. Ils ont tellement l'habitude de violer que ils ne sont pas prêts d'avoir une attitude respectueuse. Ils viennent à peine de moissonner et ils sont déjà en train de retourner la Terre. Donc la Terre, là, va se trouver à l'extérieur et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'il fasse son semis. Tu vois, là, ils ont lissé la terre. Le sol de la charrue l'a rendu brillante. Elle est complètement lissée. Donc l'air va plus pouvoir rentrer dedans. C'est une technique très violente pour la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Là, on a l'impression que c'est du béton armé, alors qu'elle a besoin d'être au contraire grumeleuse. Là, on voit le dégât. On voit bien, en contre-jour, le dégât de la charrue qui est trop violente. La terre est en train de saigner. C'était une image des anciens. Quand il y avait trop d'érosion, ils disaient que la terre saignait. Là, on voit, là, il a tellement labouré profond qu'il a été chercher les sols rouges de profondeur. Tu sens là, la terre, là, elle sent mauvais. Elle sent le lisier de porc. Ça, c'est les pailles de l'an dernier qu'il avait enfouies, qui ne sont toujours pas décomposées.
Donc, un an après, la paille, il enfouit tellement profond que ça se décompose pas. C'est pour ça que ça sent mauvais. Tu sens cette mauvaise odeur de pourriture que dégage cette terre, hein. Tu vois, ça fait des mottes, et puis alors on appelle ça les structures géométriques. C'est un sol qui est compacté. Et le labour le fait, quoi. Tu vois, quand on le casse, comme... Tu vois, ça vient pas grumeleux. Tu vois, ça vient en mottes. Ça devient minéral, le sol est en train de faire de la pierre. Vous allez prendre du sol sous la forêt, tu vas voir, ça peut être différent. On va voir la structure d'un sol quand il est vivant. C'est que des boulettes, c'est que du couscous, comme on dit. Mais là, il y a énormément de racines, hein, je suis en forêt. Hein. Le sol ne se tient pas tellement, il est structuré par la vie, c'est du vrai couscous. Parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous. Elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton, au lieu de faire du couscous. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur, hein, quand on sent, là, ça a une odeur de champignons extraordinaire. Alors que le sol, là-bas, il ne sent plus rien, parce qu'il a été brûlé par le soleil, il n'a plus d'odeur. C'est de comprendre que la terre, il faut la respecter, parce que toute seule, elle fait des très belles structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits, parce que la terre, elle ne demande qu'à faire pousser les plantes. Hein. Les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne, et elles poussent depuis des millions d'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande, de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux, les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Mais il faut remettre l'arbre à sa place dans le paysage agricole, et on l'a complètement éliminé. C'est sûr que les beaucerons, ils risquent pas de faire du bois raméal fragmenté, hein, parce que pour le moment, ils ont plus de bois. Le bois raméal fragmenté, ou BRF, consiste à répandre des branches fraîchement broyées sur les sols et permet de cultiver sans labour, sans engrais et sans eau. Quand tu veux régénérer ici, on est sur des sols très très pauvres. Donc on met ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, tu vois, qui fait que s'il y a énormément de champignons, hein, si tu sens, il y a une odeur de champignons extrêmement forte, donc tout ce mycélium, tu vois, colle. Tu vois, tu peux le tenir comme ça, ils se tiennent tous entre eux. Et tous ces mycéliums vont nourrir tous les animaux du sol. Donc tu vas relancer toute la vie du sol. Donc tu vois, ça te fait un matelas. Et alors, sous le bois raméal fragmenté, la terre, tu la prends avec les mains. Hein, tu n'as pas besoin de pelle, de rien du tout. La terre est devenue du couscous. Et le problème, c'est toujours pareil, ça ne coûte rien. C'est simplement remettre des arbres, replanter des haies. Tu vois, la haie qu'on a plantée il y a 30 ans avec Lydia, c'était, il n'y avait rien, il n'y avait pas de haie ici. Mais on a maintenant une haie qui nous fournit tout le bois raméal dont on a besoin pour nos légumes, pour nos... Donc tu es complètement indépendant, tu n'as plus besoin d'aller dans les jardineries acheter des produits miracles. Ta haie te nourrit et nourrit tout ton sol. Donc chaque citoyen peut parfaitement faire ce genre de choses et faire sa haie sans que ça lui coûte rien du tout. Alors ça, c'est un sol labouré. Tu vois, l'activité biologique ne décolle pas. Il sera obligé d'acheter de l'engrais chimique. Lui, c'est la future proie, c'est la bonne proie pour les marchands d'engrais chimiques, tu vois. En semi-direct. Quand tu regardes la courbe. Alors que l'autre est en train de prendre son indépendance, très mal vu, il va être très mal noté, lui. On installe un couvert, et c'est dans ce couvert qu'on sèmera la culture suivante. Donc là, le sol est à l'abri pendant tout l'été. Voilà le couvert pendant l'été. Ça va lui maintenir l'humidité, ça va garder la faune, et ça va germer là-dedans. Et les gens ne croient pas que ça peut sortir, mais ça sort. Et les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser parce qu'il y a toutes ces pailles qui les empêchent de germer. Donc c'est propre, donc il n'y a pas besoin d'herbicides. Psychologiquement, c'est très dur pour l'agriculteur d'arrêter le labour. Et puis d'accepter de mettre des graines dans un sol où il y a déjà une végétation, c'est un choc psychologique. C'est moi seulement et personne d'autre qui défonce ma terre. Et si on laisse le semis direct, il va se passer des choses qui vont m'échapper. La terre va devenir sauvage. Perdre des choses que je vais plus contrôler. Là, et ça, c'est terrible. Il faut avoir le contrôle sur tout. Il faut tout contrôler. D'où la peur de la nature. La nature, il faut la mettre dans des parcs nationaux. Il faut qu'elle soit bien entourée, bien guidée. Quoi. Pas question qu'il y ait la moindre particule de terre sauvage sur cette planète. Il faut que l'homme contrôle tout. Il y a des enracinements modernes de nos vignes. Elles sont plus enracinées. Tu vois, il y avait un tel béton que la racine, elle a fait comme ça. Elle n'a pas pu rentrer dans la terre. Elle est partie sur le côté. Si tu prends une jeune vigne, ça donne ça, tu vois. Voilà, ça c'est les enracinements des vignes modernes. Elle ne peut plus rentrer dans la terre, alors elle reste au-dessus. Alors ça, 20 ans, on l'arrache, et puis on replante, alors que le vin commence à faire du... Quand on prend une autre, c'est pareil. En fait, tu vois, on voit bien même, non seulement elle n'a pas pu rentrer, mais elle était obligée de ressortir du sol parce que ça ne respirait pas, et de remonter. Tu vois, ça fait des belles vignes. Alors le gars, il dit, j'ai un très beau terroir. Oui, mais je ne vois pas quoi ça sert, les vignes ne vont pas dedans. Hein, donc c'est le grand délire, tu vois. Alors qu'à un moment, une vigne, ça ne doit pas tenir, ça doit... Une vigne, tu ne veux pas la mettre sur la table, tu vois, ça doit descendre normalement. Ben non, maintenant on fait des vignes avec des racines qui remontent.
C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est de la folie, quoi. C'est comme ça qu'on tue un pays. Hein. Quand même les plantes n'ont plus de racines. Non seulement les hommes sont déracinés, mais les plantes maintenant sont déracinées. Donc voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusariaux, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, mais ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, ils tombent par terre. Pour qu'ils ne tombent pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. Et ça ne gêne pas les gens. Ça va partir au silo, puis ce sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, le directeur ne voit pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses, mais c'est plus du sol. Regarde l'état du sol de Malory, il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc comme ce sol est devenu un rocher, il est complètement fissuré, complètement... Non, voilà. Ça, c'est un sol mort. Regarde ça. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales, ce qui n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits... Cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Alors, nous sommes à Stavkovie, en Ukraine. On rencontre Monsieur Antonietz, qui pratique l'agriculture biologique depuis 30 ans sur 8000 hectares. Il nous invite à déjeuner et on goûte les délicieux produits de sa ferme. La mère donne la vie et la terre donne la vie. La terre, c'est un organisme vivant. Il faut la nourrir. Il faut lui donner la vie. Il ne faut pas la tuer. Dans les années 70, c'était le début d'une politique d'agriculture intensive en Union soviétique. Monsieur Antonietz avait reçu l'ordre d'employer des herbicides. Comme c'était principalement les femmes qui travaillaient dans les champs, et qui préparaient les mélanges de pesticides, elles étaient en contact direct avec les produits. Au bout de quelques temps, on s'est aperçu que ces femmes avaient des plaies et des blessures aux mains. Voyant cela, en 1978, M. Antonietz promet à tous ceux qui travaillent sur son kolkhoz qu'on n'utilisera plus jamais les herbicides. Ça fait donc 30 ans exactement qu'il n'emploie plus aucun herbicide. Il a demandé aux autorités soviétiques d'alors la permission de cultiver en bio. On lui a répondu que du moment qu'il tenait le plan, peu importait comment il travaillait. Alors non seulement il a tenu le plan, mais il obtenait souvent les meilleurs résultats du district. Sa technologie repose sur trois grands principes. Premièrement, pas de labour, mais un travail superficiel du sol. Deuxièmement, apporter à ce sol des engrais organiques et de la biomasse, c'est-à-dire de l'engrais végétal. Et troisièmement, rotation des cultures et repos régulier de la terre que l'on nourrit par des cultures de couvert. C'est ce genre de culture qu'il faut donner à la terre pour la fertiliser, de l'engrais vert. Vous voyez ce champ ? Il n'a pas connu le labour depuis 33 ans. On a juste travaillé le sol en surface. Et périodiquement, on laisse la récolte, on la redonne à la terre. Regardez la structure de cette terre. Comme elle n'a pas été labourée depuis 30 ans, on pourrait croire qu'elle va être très dure. Mais vous voyez qu'elle est toute meuble. Pleine de petites racines. On dirait du tourteau. Ça, c'est notre tournesol à nous. On n'a jamais apporté pas un seul kilo d'engrais minéraux, pas un seul gramme d'herbicide. Un suicide?
Mais combien de fois il a déjà empoisonné la terre? Dépensé de l'argent. Ну, саме головне потравив землю і людей. Le pire, c'est l'empoisonnement des gens et de la terre. Ce champ-là, on l'a récupéré il y a 7 ans. Regardez le nombre de résidus végétaux qu'il contient. Maintenant, je vais prendre la terre du champ qui a reçu des pesticides. La structure du sol n'est pas la même. Et voilà la terre d'un champ, ni labourée ni traitée, depuis 30 ans. Tous ces champs-là n'ont pas connu la charrue depuis 30 ans. C'est une technologie qui permet de retenir l'eau dans le sol, ce qui protège de la sécheresse. Voilà les camions qui vont épandre le lisier composté pendant un an et demi. Sur ce champ, par exemple, on va apporter jusqu'à 90 tonnes de fumier. Chaque année, on met sur nos terres 70 000 tonnes de fumier sur 8 000 hectares. Et en passant les disques, on intègre le fumier dans la terre et on coupe aussi les restes de luzerne qui vont pouvoir être digérés par le sol et donner de l'engrais vert. Tout cela n'est possible que parce que nous avons 4 000 têtes de vaches, 1 000 têtes de porcs, 100 têtes de chevaux. Le monde végétal et le monde animal sont totalement liés. La vache ne donne pas seulement la viande ou le lait, elle nous donne aussi le fumier. Et c'est une très grave erreur aujourd'hui de considérer que l'agriculture peut se passer de l'élevage. Je pense que la solution, c'est d'arrêter l'exode rural et de créer des conditions de vie attractives pour que les gens restent dans les villages et sur leurs terres. Ce qu'on récolte dans ce potager suffit à nourrir toute la famille, qui se compose de ma femme, ma sœur, ma fille, ma mère et mon père.
on fertilise la terre avec le fumier qu'on prépare nous-mêmes. Je suis donc directeur de l'antenne Cocopelli en Inde. J'ai passé beaucoup de temps à développer des techniques d'agroécologie durable et à haut rendement. Donc systématiquement, sur tous nos projets, avant les cultures, nous faisons une culture de biomasse. Ça, c'est la première clé. Travail gratuit, c'est le soleil, la photosynthèse. Entre deux saisons, nous lançons les engrais verts sur les poires de culture. Donc une semaine c'est là, dans une semaine ce sera là, une semaine de plus c'est à cette hauteur. Parce que les sorgho... On arrive jusqu'à 10 à 12 tonnes en 45 jours, ce qui est énorme. 10 à 12 tonnes en 45 jours de biomasse qui pousse. Pour qu'ils montent à cette hauteur, ensuite nous allons les couper, laisser toute la biomasse là et prendre un petit peu de terre du chemin et recouvrir. Donc ça fait un compostage in situ. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 ou 5 préparations de biopesticides et 2 ou 3 préparations de fertilisants naturels. Nous allons faire une préparation qu'on utilise énormément. Le panchakalia, ça veut dire les 5 produits de la vache. De la bouche de vache, de l'urine de vache, du lait, du yaourt, beurre clarifié. En avant, nous mélangeons la bouche de vache avec le beurre clarifié. C'est un promoteur de croissance très puissant. Maintenant, nous ajoutons l'urine de vache. This is meat, oh. Curd, donc du yaourt. Le panchakalia, on peut le remuer 1 minute le matin, 1 minute le soir. Et il tient comme ça jusqu'à 6 mois. Là, nous allons avoir une préparation, le fish meal extract. C'est donc 1 kg de poisson, 1 kg de sucre, citron. Et on laisse ça se décomposer pendant 2-3 semaines. Récemment aussi. Nous allons passer à quelques recettes de biopesticides. On va faire une préparation à la base de piment, ginger et d'ail. Donc elle est très très forte et elle agit très rapidement sur les insectes qui mangent les feuilles. Avant le repiquage du riz, il faut préparer la terre en répandant du compost et des préparats végétaux. Maintenant, ils vont épandre le compost. Ensuite, on va répandre les préparats de neem et de pangam. Ça, c'est du neem cake. Ça, du pangam cake. Ces préparations ont des propriétés pesticides naturelles. On doit les vaporiser avec des promoteurs de croissance organique comme le panchakalia et le yim. Maintenant, cette mixture est prête. On doit immerger les pousses dedans pour protéger leurs racines. Maintenant, la terre est prête pour le repiquage des jeunes pousses. Jusqu'en 1961, les multinationales de l'agrochimie avaient commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire. Mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence. Et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté 1 millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto.
Bien. À partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacées par des hybrides F1, qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. C'est l'idée diabolique des fabricants de semences, et je prends un parent tout petit, un autre parent tout petit, qui vaut rien, les deux valent rien, et je fais des essais jusqu'à ce que deux parents minables donnent un hybride magnifique. Et ça, je vais le vendre à l'agriculteur. C'est comme ça, quand il va replanter, et que les graines des parents viendront, il aura des trucs minables, donc il ne pourra pas gagner sa vie. Donc je le coince, comme ça je l'étrangle. Donc, c'est complètement diabolique l'idée de l'hybride. C'est l'idée d'empêcher l'agriculteur d'être propriétaire de ses semences. Et puis au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans le fameux catalogue national français du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, si tu ouvres la page à la rubrique tomate, les hybrides F1 totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates. Et si tu ouvres la page aux melons, aux courgettes, aux brocolis, aux choux, parfois on est au jour d'aujourd'hui à 100% de variétés hybrides F1. Et donc il est interdit de commercialiser, de cultiver, de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. Maintenant, on leur impose des variétés hybrides qui ne sont pas forcément, qui ont été sélectionnées en Beauce ou je ne sais pas où, puis eux, ils n'habitent pas du tout ce coin-là. Et puis évidemment, ils sont pénalisés parce que la plante est sensible, il lui faut de l'eau. Alors on dit, mais attendez, on va vous vendre de l'irrigation. Alors qu'avant, ils avaient des variétés rustiques qui poussaient sans eau. Donc vous voyez, ils se font prendre dans tout un piège qui après les force à irriguer, Du coup, après, on les traite de polluants alors que c'est tout le système qui les a emmenés à polluer. Pourquoi est-ce que la mafia met la main sur la semence? C'est que la nature de la semence génère un type d'agriculture. Donc, une semence de nature OGM ou de nature hybride F1 appelle tout un package technologique, à savoir tous les intrants, les pesticides, les herbicides, les fongicides, etc., et les fertilisants de synthèse qui sont faits à base du pétrole. Donc, en fait, on a créé cette mythologie de la productivité par les hybrides F1. C'est une mythologie totale. Alors, les pouvoirs publics disent « oui, mais c'est pour la protection du consommateur ». Notre première question, c'est pourquoi il n'existe pas un catalogue des camemberts ou un catalogue des chaussettes ou des réfrigérateurs. Seconde question, c'est est-ce que ça ne serait pas plutôt pour la protection des multinationales qui ont confisqué la totalité du vivant en Europe. Et quand tu vois l'état de la France, quand tu vois les résultats de l'IFEN, le niveau de pollution de nos eaux françaises, 95% des cours d'eau sont pollués par 240 substances qui avant tout sont les produits de l'agriculture. On met les bandits et les gangsters en prison, mais quand est-ce qu'on mettra les empoisonneurs publics aussi en prison? Monsanto, c'est quand même l'entreprise qui a fait l'agent orange, qui fait qu'il y a toujours des milliers d'enfants qui naissent en Europe au Vietnam. Premiers empoisonneurs de la planète, ne vous inquiétez pas, ils ont tout le soutien politique autour d'eux. C'est terrible, mais c'est comme ça. On a donné le prix Nobel à ceux qui ont trouvé la bombe atomique. On a donné le prix Nobel à celui qui a trouvé le DTT. Sympathique le DTT, qui a tué des milliards d'abeilles et d'insectes dans le monde. On a donné le prix Nobel à celui qui a fait la révolution verte, qui a stérilisé hectares dans les pays tropicaux, qui affame toute l'Afrique et tout. Chaque fois que vous trouvez un truc qui va dans le sens de l'industrie mais pas dans le sens de la vie, vous inquiétez pas, vous aurez le prix Nobel. Donc on n'aura pas le prix Nobel. Aucune chance, tu n'as strictement aucune chance. Tu renonces, tu oublies. On oublie. Tu vois, je pensais qu'on allait l'avoir. Non, ça sert à ça. Le catalogue de tous les fruits qu'il y avait en Europe au début du siècle. Tu vois, tu l'ouvres, t'as toutes les pommes, toutes les poires, etc., qui sont toutes dessinées une par une. La beurrée du cercle, la richard, etc. Poire noire à longue queue, la princesse Marie. 13 volumes, il fallait pour décrire toutes les variétés de fruits qu'il y avait en Europe. En France, il y avait 3600 variétés. Alors, tu sais, si vous prenez par exemple la pomme, il n'y a plus que 5 variétés de pommes commercialisées en France, dont la majorité sont américaines, donc nous payons des royalties alors que nous avions la plus forte diversité de fruits au monde. Toutes celles qui ne consommaient pas, qui n'étaient pas assez fragiles, c'est-à-dire qui n'étaient pas attaquées par les insectes, on les a éliminées et on a imposé la golden parce que la golden, c'est celle qui demande entre 30 et 36 traitements de pesticides par an. Donc la Shell et les grands groupes financiers ont fait pression sur la CE pour qu'on arrache les pommiers de variétés anciennes pour mettre de la golden qui consomme 10 fois plus de pesticides que les autres. Et en France, non seulement il est interdit de commercialiser des anciennes variétés non inscrites sur la liste nationale, mais il est interdit d'échanger et de donner des semences par la législation. Cocopelli, depuis 1999, distribue des quantités de semences absolument inouïes à des centaines et des centaines d'associations ou de communautés rurales sur tous les continents de la planète. Et les semences sont envoyées à titre gracieux. C'est pour ça qu'on nous harcèle depuis quelques années au tribunal. Nous étions attaqués par le GNIS, donc le ministère de l'Agriculture,
et par le lobby des semenciers, la FNPSP, qui est la Fédération des semenciers industriels. En l'espace de 2 ans, on est à peu près à 90 000 euros de frais judiciaires, plus les pénalités. Malgré cela, eh bien, Coco Pelli, dans ses clients, a la mairie de Bordeaux, la mairie de Poitiers, la mairie de Paris, le muséum d'histoire naturelle, le parc du Luberon sont nos clients depuis 8 ou 10 ans. Ils nous achètent tout un tas de semences. L'an passé, on a une commande du Conseil général de la Guadeloupe, je crois, de 5 000 euros, par exemple, de tomates illégales et de semences illégales. Donc, c'est un canular. Les plus grands restaurants de Paris, dans lesquels mange toute la bourgeoisie, de droite, de gauche ou de centre, ne mangent que des tomates anciennes fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en ce moment chez Coco Pelli. Les gens qui ont goûté nos anciennes variétés de tomates, tu crois qu'ils vont retourner vers les hybrides de l'agrochimie? Non, 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 non. Parce que nos tomates sont des vraies tomates avec du goût. Les agriculteurs français sont subventionnés par Bruxelles pour détruire le peuple français à petit feu. Et nous, on est harcelés par les pouvoirs publics parce qu'on distribue des variétés anciennes de légumes. Nous sommes à la ferme de Sainte-Marthe, la ferme de Philippe Desbrosses. Ici, on forme des stagiaires et on cultive des variétés potagères anciennes pour donner aux générations futures une belle biodiversité. Les graines sont préservées dans un conservatoire de semences, véritable coffre-fort de la ferme, où des millions de graines sont maintenues à température et humidité constantes, sont sélectionnées, cultivées, multipliées, distribuées. On était en butte encore dans les années 70 à toutes sortes de tracasseries administratives avec la répression des fraudes qui descendaient. On n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale. C'est comme le procès que j'ai eu pour avoir sauvé une variété de pommes de terre qui est interdite parce qu'elle n'est pas au catalogue. J'ai été condamné pour ça alors qu'ils sont venus me féliciter parce que j'avais retrouvé l'ancienne pomme de terre à l'Institut de Beauvais que tout le monde croyait disparue. Je dis, vous allez me mettre une médaille. Alors, on me dit, ah non, on vous met une amende. Attendez, expliquez-moi. Ben oui, parce que cette pomme de terre, elle n'est pas au catalogue, donc vous l'avez mis à votre catalogue privé, vous n'avez pas le droit de la vendre, donc on met une amende. Alors je leur dis à ce moment-là, je dis, ben écoutez, ça c'est excellent. Ça me donnait l'occasion de mettre sur la place publique le scandale que constitue cette réglementation qui interdit justement d'utiliser ce qui finalement a accompagné l'humanité depuis qu'elle existe. Que ce sont des plantes qui nous ont nourris, qui ont nourri des générations de personnes. Et je vois pas pourquoi elles sont illégales. Nous faisons 22 sortes de tomates, des rouges, des oranges, des tomates cerises, etc. Nous faisons 6 sortes de maïs, maïs blanc, maïs rouge, maïs multicolore, maïs pourpre. 8 à 9 sortes d'aubergines. Donc cette année, ça va être en gros 85 variétés sur 14 espèces que nous faisons pousser ici. C'est la mission vraiment de Coco Pelli ici en Inde, c'est donner aux fermiers des semences qu'ils peuvent répliquer dans leur propre champ, qui puissent supplanter les hybrides. Les semences sont tout simplement séchées à l'ombre et avec la ventilation naturelle. Et avec ça, nous produisons en gros 25 000 à 30 000 sachets de semences. Dans un sachet de semences, il y a entre 200 et 2000 graines que nous distribuons gratuitement à des associations de fermiers, à des ONG, à qui on veut. We're destroying biodiversity. Industrial agriculture has reduced our food base to 5 or 6 crops. When we used to eat 8,500 crops, the average farm of India used to grow 250 species. That's a new poverty. This disjunction between a false intelligence, an intelligence that I would identify as a masculinist intelligence, that comes from this idea of dominating over nature, that comes from this idea of destroying all prior knowledge because it came from your mothers and your grandmothers. Therefore, be stupid and think you're smart by doing it differently. Agriculture, after all, is not a modern phenomena. It's a timeless phenomena. And over time, it was women who did the innovation that made it possible for human beings to feed themselves. That entire knowledge is under assault. Nous sommes au nord de l'Inde, près de Dehradun, avec Monsieur Chandi, au siège de Navdanya, organisme créé par Vandana Shiva. C'est un réseau de plus de 500 000 gardiennes de semences et producteurs biologiques répartis dans 16 états de l'Inde. And this is the area where we multiply our seeds so that we can give it to farmers. She is Visa Devi and she is taking care of the seed bank. This is the seed bank area. 400 variety of rice. The all names is written in Hindi so that the farmers can read and they can choose. These are lentil and beans also here. Totally rice. If we keep your seed longer time, then you need that type.
If you store your seed in this, you can keep very long time, 5 years, so you can save your seed like this also. Some seed, we don't do anything like this, vegetable. We don't store anywhere, just, we just keep here like this. And when we will start sowing, just break this outside, that skin, and show your seed. We follow the nature, because nature is a teacher, nature teaches us. We don't charge any money for seed. Seed is exchange, seed is gift. When the farmers take seed from us, 1 kg, we say to farmers, either you give us to back, either you pass that seed to 2 more farmers in your region. So that's the community seed bank, you know. Because one farmer cannot save 400 variety of seed in their area. But 400 farmers can save the 400 variety in their belly. So our system is farmers to farmers. Give one, he will pass in 2. The 2 will pass 4. 4 will pass to 8. 8 will pass to 6. Then again we take back where the farmers need the seeds. India has 27 breeds of cattle. We have the biggest population of cows in the world. Why is it that we don't have faith on our own cows? The largest population of cattle in the world is despised. You hate them. You actually want to get rid of them. There is a breed in Rajasthan, the desert of Rajasthan. It's called Tharparkar. That breed can actually walk across the desert of Rajasthan. If you have a Jersey cow or a Holstein Friesian in Europe, try to make it walk for 1 kilometer and you'll realize what I mean to say. Now, that's the kind of cows that were required for that particular region. But we brought in cows from outside. We thought everything in India, we don't have faith in that. We think it is substandard, inefficient, and backward. Brazil, which is miles away from India, has become the biggest exporter of Indian breeds of cows. In fact, one of the Indian breeds in Brazil is giving more milk than even Jersey cows. And today, Brazil has realized the potential of Indian cows, and I will not be surprised if we start importing our own breeds from Brazil in the days to come. Em 96 é que se toma como decisão da cooperativa começar um processo de produção de sementes. Na verdade, se conseguiu 12 famílias que se desafiassem a produzir sementes sem o uso de veneno. Sabendo que poderia produzir como poderia não produzir nada. E o risco era dessas famílias. Pela felicidade, deu certo, a gente produziu e produziu super bem. No ano seguinte, de 12 produtores passou para 30 e assim foi em crescimento alto, né? Então, hoje nós estamos em torno de 200 famílias envolvidas no projeto. Então, naquele período, até dirigentes do movimento dizem que aqueles loucos querem com produzir semente orgânica e tal, né? Faltando realmente aquele apoio mesmo e a gente que começou, eu pelo menos assim, eu... Falar de semente é falar da minha vida, né? E através dela é que a gente existe, e através dela é que a gente está aí se alimentando. E eu, naquela época, eu dentro de mim já tinha isso. De realmente a importância que era e que ia ter e que vai ter no futuro a questão da preservação das sementes. Quando você tira do povo a oportunidade ou o que ele tinha de mais sagrado que a semente é você fazer terrorismo, gente. Isso é terrorismo. Quando você não dá mais a oportunidade às pessoas a terem o que elas tinham ou o que elas deveriam ter. É você submeter as pessoas a fazer o que você quiser. Com o surgimento da questão dos transgênicos, do debate dos transgênicos, é que o movimento prendeu as luzes, né? Foi o momento onde o movimento sentiu que realmente... o pequeno agricultor, o assentado do movimento, o sem terra do movimento, começava a correr um grande risco de ir para o campo e não ter mais a sua própria semente para produzir. Sementes crioulas é aquela semente que... Les semences créoles nous ont été transmises par nos ancêtres qui les ont gardées depuis la nuit des temps. C'était traditionnellement l'activité des femmes de faire les légumes dans le potager et de garder les semences. Avec l'arrivée des hybrides, des agrotoxiques, des semences proposées par le marché, beaucoup de nos familles, et principalement les femmes, ont perdu ces coutumes. Notre projet est de récupérer ces semences. Nous y travaillons dans 19 régions. C'est une activité typiquement féminine. Les hommes ne s'occupent pas de cela. Ce qui les intéresse, c'est la production extensive. Les femmes, non. Na verdade, a terra é feminina. E que as práticas agrícolas exigem nós incorporar o olhar feminino. Os homens, nós somos educados com o sentido
totalmente o contrário, o sentido produtivista, espoliativo. Foram elas que perceberam que as sementes não podiam ser mercadorias, não é? E de que era importantíssimo para a soberania alimentar que cada comunidade zelasse por suas sementes. What we need is the knowledge of our grandmothers, who knew every plant, every quality, every trait. That's why I've started running on our farm, a grandmother's university, just to keep that knowledge, tradition alive. Nous, on suit le chemin de nos parents. Maintenant, on vit à l'époque du tout moderne, des choses modernes, modernes, tout ça. Mais nous, on a suivi le chemin de nos parents. Les semences qui sont vendues dans le commerce ne donnent jamais d'aussi beaux résultats que mes semences à moi. J'ai constaté que les semences de concombres que j'ai sélectionnées moi-même donnent de très beaux concombres. Par contre, j'ai dû replanter deux fois les semences hybrides de concombres. Elle nous emmène dans son jardin pour voir la différence entre les deux plantations. Vous voyez, ça, c'est nos concombres à nous. Et ça, c'est les semences hybrides. Semences sélectionnées à la maison, hybrides. À la maison, hybrides. Qu'est-ce qu'on doit penser des OGM? C'est souvent la question qui est posée. D'abord, les OGM sont des plantes à pesticides. Contrairement à tout ce qu'on dit, où elles produisent leurs propres pesticides, où elles sont conçues pour tolérer des pesticides. Le soja Roundup, on ne pouvait pas mettre du Roundup sur le soja auparavant parce que le soja était détruit par le Roundup. Maintenant, le soja est capable de recevoir des doses et des doses de Roundup sans mourir, parce qu'il le tolère. La culture OGM est la culture la plus polluante qui existe sur la planète. Et les gars vous le vendent en disant que ça va protéger l'environnement, quoi. C'est le mensonge absolu, quoi. Nous, on travaille en Argentine, on a vu multiplier par 4 la consommation d'herbicides avec les OGM par rapport aux cultures traditionnelles. Et surtout, les OGM ont un autre objet. Ils servent de cheval de Troie à des gens qui ont comme projet de s'approprier le patrimoine génétique de la planète, de s'approprier ce qui est notre bien commun, tous. Le maïs, c'est une plante qui est résistante à la sécheresse. On en a fait des monstres de flotte qui demandent jusqu'à 120 litres d'eau par plant. Mais comme il n'y a plus d'eau maintenant, les maïsiculteurs dans le sud-ouest de la France sont obligés d'arrêter de faire pousser du maïs parce que les nappes phréatiques sont vides. Eh bien, l'industrie semencière OGM arrive et dit « Attendez les petits gars, on va vous sauver de la déroute, on va créer des variétés de maïs transgéniques qui sont résistantes à la sécheresse. » Donc, la boucle est bouclée, on est parti d'un maïs résistant à la sécheresse pour faire des plantes qui se goinfrent de flotte, pour faire des plantes maintenant qui sont résistantes à la sécheresse par le biais de la transgénèse, au lieu de garder nos anciennes variétés de maïs qui étaient intrinsèquement et naturellement résistantes à la sécheresse. Ils ont dépensé des milliards là, pour faire l'ADN de l'homme. Et puis, il y a quelques plantes dont on connaît l'ADN. Il y a l'orge maintenant, le coton, la vigne. Enfin, bon, il y a quelques plantes dont on a fait l'ADN. Et alors, ils ont été terriblement vexés. L'orge a 2 fois plus de gènes que nous. Donc, parce que tous ces hommes-là, ils pensaient qu'évidemment, l'être humain, forcément, comme on était les plus intelligents, c'était nous qui avons le plus de gènes. Elle en manque de peau, l'orge en 2 fois plus que nous. Et c'est une plante. Et alors là, ils sont très, très emmerdés parce que comme il y a une partie immense de l'ADN qui ne comprennent pas, ils ont appelé ça junk ADN, ADN de merde. C'est pour eux, c'est l'ADN qui sert à rien. Ils sont tellement cons qu'ils pensent que la vie, depuis des millions d'années, fabrique cette molécule qui est la plus coûteuse en énergie du monde vivant pour rien. Ils font ça pour rien, quoi. Ils sont d'un niveau de connerie, les généticiens, qui est absolument hallucinant. C'est quelque chose qui vous laisse pantois. Au Costa Rica, j'ai vu les bébés qui commencent à naître sans jambes et sans bras. Parce que, en fait, dans les cultures d'ananas, eh bien, ils utilisent tellement de que les ouvriers agricoles en sont imprégnés. The interesting thing is on GM foods, I have seen again and again reports that while human beings are being force-fed genetically engineered food, cattle will never graze. And if they do by mistake graze, they are being killed, as in the case of Andhra Pradesh, where 1,800 goats and sheep died after feeding on a BT cotton field. Tout ce que nous mettons dans la terre, nous le retrouvons dans notre corps. C'est pour ça que je dis aux gens, bientôt, ben, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, dans le sens où c'est absolument pas ce qu'on met dans son corps, ni ce qu'on donne à ses enfants. We have to make a difference between good food and bad food. Commodities make no difference. If we fail in this, not only will we not have freedom, we will not have bread. This link from field to the table that allow good food grown on the farms to reach everyone's kitchens is the reinvention of democracy.
Because as long as we do not have that link, we will not know what we are eating. And we will be forced to eat that which human beings should not be eating, that which any intelligent species should not be eating. O transgênico é simplesmente uma adaptação dos cultivos a terras mortas. Então, eu pergunto, mas tem de ter, trabalhar com terra morta? É necessário? Não. Não precisa. Ana Primavesi habite à 4 heures de route et de piste au sud-ouest de São Paulo. Docteur en agronomie, enseignante dans les universités, elle a été une pionnière de l'agroécologie depuis les années 50. Elle a écrit des livres et de nombreux articles. C'est une spécialiste de la microbiologie des sols, une des dernières au monde, avec Lydia et Claude Bourguignon. Elle est très appréciée du MST, le mouvement des sans terre. Des paysans viennent de partout lui demander conseil. O que a senhora está achando desse programa de etanol do Lula? Tá louco. Tá puramente louco. Porque as agroindústrias são insustentáveis. Não vão... Eles destroem. Nós temos no Brasil, mas no mundo inteiro, por este tipo de agricultura, 10 milhões de hectares que cada ano desertificam. E nesta velocidade, nós temos ainda uns 50 anos para um hectare que não seja deserto, mas se o deserto começa, depois vai rápido. Um plein d'automobile, il faut lui mettre l'équivalent de ce qu'un homme mange en une année. Donc ça va être extraordinaire, l'occidental va pouvoir faire le plein vite. Allez, un chinois de moins qui mangera cette année. Hein. Et moi je pense qu'ils font ça pour affamer les pays, parce qu'ils commencent à en avoir, je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça, c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres, ça suffit. Quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Donc si avec les biocarburants, on pouvait en faire mourir un peu plus, ce serait quand même assez sympathique. Là, on sent qu'il y a une vraie révolte des riches. Ils sont fatigués de tous ces pauvres. The more commodities are being produced, the more people are starving. 1 billion people go without food because there are more commodities in the world. When food is governed as if it's a commodity, people will starve and cars will run on food. On ne sait pas quand on va passer le milliard de crèves la faim, mais ça va être dans peu de temps parce que avec tous ces biocarburants, il y a plus assez. La Chine a baissé de 10% sa production depuis 2000. Elle importe, elle est en train de faire venir de la céréale, donc il va y avoir des conflits entre ce qui sert à faire rouler les bagnoles et puis nourrir les Chinois. Donc c'est on est en pleine crise alimentaire, on est à 20 jours de stock sur la planète en ce moment. Quand tu vois que l'Australie en est à sa 8e année de sécheresse consécutive, et qu'en Australie, ben, au lieu de produire 21 millions de tonnes de blé comme ils faisaient avant, ben, ils n'en produisent que 10. Ça veut dire moins de la moitié. D'ici peu, on va parler de la pénurie alimentaire en France. Parce que les gens, pour l'instant, pensent toujours que c'est à l'extérieur, que nous, on est dans notre bulle, tranquille, définitivement, qu'on a résolu les problèmes d'approvisionnement alimentaire. Mais ce n'est pas vrai. Actuellement, si on ferme n'importe quel supermarché, on est incapable de se nourrir. 40% de l'alimentation arrive via l'Espagne, le reste via le Maroc ou le Kenya. La France, premier pays agricole d'Europe, ne se nourrit pas. La France importe 80% de ses compléments alimentaires animaux. Si vous retirez le soja brésilien, si vous retirez le manioc de Thaïlande, si vous retirez les crevettes de Thaïlande, etc. Mais je suis désolé, les Français ne mangent pas. On a permis à des grands agriculteurs d'augmenter leur patrimoine. Il serait normal maintenant qu'ils affectent un quota minimum au moins de 10 voire 15% de leurs terres aux cultures vivrières pour la population locale. On ne peut pas à la fois toucher les subventions qui sont payées par la population européenne et en même temps avoir ce déni et ne pas participer à l'alimentation de la population française et européenne. On a cette situation inacceptable où il y a des milliers de petits agriculteurs qui souffrent ou qui disparaissent et puis on a 20% qui touche presque de quoi se payer 2 ou 3 Mercedes de plus par an, quoi. C'est inacceptable. Tout producteur, tout agriculteur doit participer à l'agriculture vivrière de sa population, avec des périmètres de proximité, des périmètres de sécurité. Quand tu vois que la FAO, l'an passé, à son congrès d'avril-mai 2007, donc, a annoncé fièrement que l'agriculture biologique pouvait nourrir la totalité de la planète sans endommager l'environnement, ça, nous, on le sait bien, mais ils auraient pu le dire il y a 25 ans en arrière, la FAO.
Si la FAO a raison, il faut passer en agriculture biologique. Et si la FAO a tort, arrêtons de financer ces gens qui sont que des allumés, puisqu'ils osent prétendre que la planète pourrait être nourrie juste avec l'agriculture biologique. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on souhaite vraiment refaire un modèle agrobiologique qui va répondre simplement à la souveraineté alimentaire de la France, hein, c'est-à-dire que c'est que 10% de la surface agricole, 10% de la surface agricole de la France, uniquement pour nourrir tous les Français, c'est plus d'un million d'emplois. Uniquement dans l'agriculture. Il va falloir développer un autre imaginaire. Et cet autre imaginaire, c'est une autre façon de travailler. Alors peut-être que ça sera le partage du travail, avoir plusieurs métiers, être paysan, informaticien, électricien. Mais de toute façon, il y aura cette dimension agricole en chacun de nous. Et c'est ça qu'il va falloir restaurer. Il y a eu cette déconnexion justement entre l'intellectuel et puis le manuel. Et le paysan de demain sera à la fois intellectuel et à la fois manuel. L'homme de demain sera tout ça. La confiscation la plus grave que l'on fasse au genre humain, c'est que des trusts les nourrissent et qu'ils n'arrivent plus à se nourrir par eux-mêmes ou qu'ils ne le font pas. D'où du droit et des devoirs des populations à se nourrir elles-mêmes. C'est-à-dire que quelquefois, il y a les populations, on ne leur confisque pas forcément le droit, mais elles n'intègrent pas la notion de devoir de le faire. Comme la loi du marché, elle fonctionne sur ses propres lois, si la survie devient un problème, la loi du marché ne se sentira pas forcément concernée. Parce qu'on ne fait pas de l'altruisme avec du commerce. Celso, sur des terres pauvres conquises par le MST, cultive un jardin mandala en biodynamie. Ici, c'est un potager mandala, un système de spirale. Il a un noyau, on plante des herbes et des fleurs pour pouvoir irradier de l'énergie dans tout le système. On travaille en polyculture avec le maximum d'espèces possibles. On a des plantes compagnes qui s'adaptent les unes aux autres dans le même espace. La biodynamie est une méthode préconisée par Rudolf Steiner déjà en 1925, qui conçoit la ferme comme un organisme vivant, utilise des préparations qui dynamisent le sol et prend en compte les influences des astres sur les cultures. C'est un système de production qui est intégré entre animaux, personnes, insectes, plantes et avec la maior diversidade possible. Et cet équilibre qui traz la santé da planta et das pessoas também. Et je dis que cultiver son jardin aujourd'hui, quand on en a la possibilité, c'est un acte politique, un acte de résistance. Tout le monde ne peut pas être à la campagne en train de cultiver son jardin, mais ceux qui sont en ville peuvent parfaitement se solidariser avec ceux qui sont à la campagne. Et ainsi, on fait un pont par-dessus, disons, toute la sphère affairiste. Et l'autonomie, c'est le maître mot aujourd'hui. So we are telling our people, look, rely on your own seeds. Once you rely on your own seeds, you have control over the entire food chain. And then you go on into the farming systems that existed in this country. Now, this does not mean that I'm taking you back into the cave age. But at least I'm doing one thing, that I'm taking you away from suicides, sure death. Revenir à une empreinte écologique soutenable, pour la France, c'est revenir à une situation qui nous ramènerait aux années 60. On n'était pas à l'âge des cavernes. Ce qui s'est passé, c'est que ce que nous consommons, fondamentalement, n'est plus produit de la même façon. Aujourd'hui, les vêtements que nous portons incorporent au minimum 30 000 km. Encore dans les années 60, il y avait des usines textiles à Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc on arrive à des résultats totalement absurdes, comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark, être en sachet, dispatché dans le monde. We should stop or reduce international trade. Let us go local. Trade should be local. Si tout le monde vivait comme nous, Français, il faudrait trois planètes. Si tout le monde vivait comme nos amis américains, il en faudrait six. Alors, c'est encore possible parce que nous recevons une assistance technique massive des pays africains, par exemple, qui consomment moins d'un dixième de planète, toute proportion gardée. Mais si nous continuons avec un taux de croissance extrêmement modéré qu'aucun candidat au présidentiel n'aurait osé préconiser dans ses discours électoraux, un taux de croissance de 2% à l'échelon 2050, c'est pas 3 planètes, c'est pas 6 planètes, c'est 30 planètes qu'il faudra. Et 30 planètes, on les trouvera pas, il n'y a rien à faire, on aura beau faire. Donc
il est urgent de prendre conscience de la nécessité de revenir dans les limites de ce que le destin nous a imparti, c'est-à-dire une planète. Ils ont un disque dur qui est bloqué, qui ne peut pas penser autrement que croissance, il faut produire, il faut tous les ans, il faut faire 7% de croissance, 10% de croissance. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils ne savent pas. C'est la croissance. Disque, la croissance. Donc ils ne peuvent pas concevoir autre chose. Donc il faut qu'ils tombent. Et par contre, je suis sûr qu'en ce moment, une nouvelle civilisation se prépare. Nous sommes absolument au moment de l'arche de Noé. The more the destruction to environment, the more the GDP grows. What is growth? What is GDP, for instance? GDP is the amount of money that exchanges hands. It's very interesting. If there's a river which is clean, the GDP doesn't go up. But if a river is polluted, the GDP grows not only once but thrice. Why? First, you are allowing the effluents to be thrown into the river, which means somebody has exchanged money. Then when the river gets polluted, and I drink water out of it, or the communities drink water out of it, they fall sick. They go to the doctor, and then they exchange money, which means also the GDP grows. And then you bring in a technology to clean the rivers. Again, you know, the money is exchanging hands, so GDP grows. What a phenomenal way to grow. And the feticide, female feticide rate is phenomenal, and that's what I call as a Hindu rate of growth. We don't have to look at the 9.2% rate of growth. We have to look at the female feticide in India, and we will see where growth lies. Somehow we will made to believe that a girl or a woman is a burden on the society. What a sad reflection on the way the society lives. The genocide, the feticides, the hegemony that takes place is all part of the development model. The growth takes place only, you know, you can be proud of 9.2 or 10.2 or whatever it is, if these kinds of atrocities go on and on and on. Good night, sleep tight. Don't worry, my angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, farewell. When you remember, well, don't you cry, my angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. Sleep tight. Don't worry, my angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. When you're feeling down, well, don't you fall, my angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. Good night, sleep. My angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, farewell. Good night, sleep tight. Don't worry, my angel, you'll see me in your dreams. The violence against women has grown tremendously. The current form of modernization and growth is in fact feeding on the worst forms of patriarchy.
and the contemporary forms of patriarchy, when married to the ancient forms of patriarchy, are creating a supervirus of patriarchy. And this supervirus of patriarchy's worst expression is the killing of girl children before they're born. Female feticide in India has made 35 million girls disappear. It is most prevalent here in the capital, Delhi, in Punjab, the land of the Green Revolution, in Haryana, in the states which are prosperous in terms of money. Commercialization of society has created a new violence against women, because women now have been totally valued as a commodity in the marketplace, and as a commodity in the marketplace, they have no value. As pillars of society, they have a value. La meilleure façon de lutter contre les multinationales, quelle qu'elle soit, de la grande distribution, de l'agrochimie, des semences, la meilleure façon de lutter contre eux, c'est de s'en passer. En 48 heures, le système s'écroule. C'est d'une telle simplicité. Boycott is vital. Without boycott, we've never had freedom. You have to have a boycott, and you have to do the alternative, which is why in Navdanya, we have a boycott of GM seeds and chemicals in large regions, maybe about 7,000 villages now that work with us. Corporations are not allowed to enter the village. Deep boycott. Nós nem acordamos ainda, nem começamos a perceber o poder que tem o consumidor. Então, usar o poder do consumidor para mudar a sociedade. Preciso fazer, por exemplo, um boicote a uma empresa que dá dinheiro para fabricar armas. Ou um boicote a uma empresa que, em outro país do mundo, está explorando outro país. É um tipo novo de greve, que não é a greve da máquina, é a greve do outro lado da máquina, que é do consumo. O consumidor é o dono. A empresa, para ela, é o pior que pode acontecer, é não vender. Agora, isso quem faz? O consumidor. O mundo hoje está numa condição que ou rever a forma de produzir a nossa existência ou o mundo acaba, né? Então você tem... E isso é uma tarefa dos agricultores, principalmente, né? Porque é quem produz alimento, quem está vivendo com a natureza, né? Então a forma de lidar com a natureza é o que vai determinar se nós vamos continuar existindo quanto gente ou não, né? Então... Beaucoup de gens me demandent si nous ne sommes pas en train de mener une bataille perdue d'avance. Et je leur dis toujours, imaginez le monde il y a 150 ans, quand le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique et que cet empire était impitoyable et très puissant. Il n'y avait ni liberté de la presse, ni groupe de défense des droits de l'homme. Et malgré tout, pour défendre ces milliers et milliers de gens qui essayaient de mener la bataille contre l'Empire britannique, un homme s'est levé, le reste du monde l'a suivi, et l'Empire britannique s'est effondré. Aujourd'hui, le soleil ne se couche pas sur l'Empire des multinationales. Et si nous n'avons pas un Gandhi, nous pouvons avoir 100 Gandhi. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. More and more people are becoming aware of it. And I think that is where the answer lies. They once tried to take our life away. And we didn't know then it would hurt us so deep. They tried to kill the hope we had inside. By taking the power on the body, the mind, the love and the soul. When you have gone out of light, you got to keep your hope alive. Now, hey, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Oh no, oh no. The time has come to resist and fight for what we have. A nature of greatness that gives us all that we need. I don't believe in God. No, I don't. But I believe in something alive. You know that when you have gone out of light, you got to keep your hope alive. Now, hey, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but
they'll never get to our souls. Oh no, no. You have gone out of light. You got to keep your hope alive. Now, ha, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Oh.